Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Lutin65 et on se retrouve pour l'épisode 56 de Mr. Prepper, Animal Farm. Alors, sur l'épisode précédent, on avait eu la visite de l'agent qui nous avait dit que c'est pas bien d'avoir autant de boîtes de conserve. Je sais plus exactement, puisque c'est une nouvelle session de tournage, bien sûr. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, on va aller à la mine, je pense, relancer les machines, récupérer aussi les ressources qu'il y aurait. Pourquoi pas un petit labyrinthe supplémentaire, ça serait pas mal. De la pêche, ça serait bien aussi. Et des compos élec. Parce que la pêche, en fait, il faut qu'on la fasse parce que ça nous permettrait d'avoir d'avoir. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai pas retrouvé le nom. D'augmenter, en fait, notre. Approbation, on va dire, entre guillemets, notre confiance avec, voilà, j'ai retrouvé le mot, notre confiance avec Henri Lapoule, qui est level 2, et qui revend une bonne canne à pêche. Alors, je sais plus ce que j'ai comme canne à pêche, moi. Je sais plus si on l'avait acheté ou pas, la canne. Ah, il est vrai qu'on a Waterloo. On a la bonne canne à pêche. Bon, bah, tant mieux déjà, c'est bien. Tiens, prends ça, prépare. Hop. Alors, voyons voir Jenny. Jenny, elle prend les oranges et c'est tout. Ok. Récupérons le miel. Bah, t'es plein en B. Ouais, j'ai de la pourriture. J'ai de la pourriture, encore. Oh, mais tant pis, il y a de la pourriture. C'est pourri. Qu'est-ce qu'il y a, Xeno? Tu as mangé? Ah, c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi ça. Ouais, bah voilà. T'es en train de descendre, descends. j'ai quand même, ouais, j'ai de quoi récupérer aussi. Parce que je vois que les. On va récupérer les trucs des poulettes. Et je vois que elles ont du lait. Ok. Bon, je sais pas pourquoi j'ai plus l'animation du truc qui sont récupérés, mais c'est pas grave. Tant pis. Si t'as plus à manger, Xeno, on va regarder ça. Ah, on a plus un seul gramme de. Toi, t'es débranché. On a plus un seul gramme de pétrole. J'ai dit que je voulais regarder si Xeno avait à manger. Il a à manger, c'est bon. En fait, pas Xeno, t'as à manger. Voilà, la pourriture c'est bon. Les œufs c'est bon. Les plumes. Je les prends pas, donc la chasseuse les prend. Et ça, il faut qu'on le lise. Pas d'électricité. Pas d'électricité. Ok. Et on est en flux tendu, donc il va falloir vraiment qu'on ait notre. Générateur supplémentaire, parce que là on est vraiment en flux tendu, puisqu'on est à la limite de l'acceptable pour l'agent. Mais quand il y aura plus d'électricité, on sera hors limite. Ça c'est bon, on a faim. Allons voir ce qu'il y a à manger. On est content pour la voiture, ok. Alors on va prendre du carburant, on va en prendre plein. Un plan. Combien je veux de machines? 1, 2. Je veux la pierre. Je sais pas combien on a de pierre. Ouais, la pierre. On va prendre la pierre, le pétrole, les trucs en dessous.
Donc il m'en faut 12. Voilà. Parfait, allez, on s'en va. A tout à l'heure, Xeno. Oh, il est beau cet aquarium. Allez, non, pas des charges, la mine. La mine de Bob. Je sais pas s'il nous restait du. Du carburant là-dedans, possible. Je suis pas sûr. J'espère que non. Non, c'est bon. Ouf. Bah, du coup, on a dit le moins 1 pour la pierre. Je sais pas s'il nous reste des trucs dedans. Si. Allez, pousse le wagonnet. Alors le moins 2 non, parce que c'est le fer, et le fer on est vraiment full. C'est hallucinant. J'ai trop de fer à la maison. À traiter en plus. Alors, non, ça c'est le sel ça. Et je veux pas de sel non plus, je veux du pétrole. Parce qu'on en a besoin pour nos petits générateurs. Ok, allez, pousse. Attendre qu'ils reviennent. Voilà. Et on va descendre au moins 5 pour les gemmes. Et je pense qu'on va aller les vendre direct à Bob, hein. On est sur place. Ouais, pousse le wagonnet. Comme ça, elle s'arrête. Hop, le wagon est parti. Elle va redémarrer quand le wagon sera revenu. Je vérifie quand même. Plus, j'ai pas. Oui, je vérifie, mais en plus. Attends. D'accord, il va pas tout récupérer. Ok. Déjà niveau or, on est déjà full pour Bob, puisqu'il n'en prend que 10 par jour. Mais on a le. On a. Comment il s'appelle j'ai vu le. Ah. Comment il s'appelle voilà. Je suis pas trop son nom. On a le tailleur qui prend de l'or. J'ai vu dans la boîte, je l'ai vu quand on a regardé tout à l'heure. La boîte aux lettres, donc on va aller. Ok, donc on a pas mal de carburant. Tourner au moins 4. On va aller voir s'il n'y a pas des améthystes ou quoi, mais normalement, l'or qui nous reste, on va le vendre au tailleur. Il l'achète plus cher que Bob. Enfin, d'ailleurs, le tailleur achète plus cher tout que n'importe quel vendeur. Il achète plus cher les plumes, tout ça. Non, on n'a rien oublié. C'est bon. On va dans le stockage, on va récupérer tout le pétrole qu'on a. Ok, je suis trop lourd. Oui, mais en même temps, j'aurais pu poser mon Waterloo. C'est pas grave, on va faire des allers-retours, c'est pas grave. Temps de lancer les trucs et tout, et de vendre. Déjà, on va vendre notre or en rentrant, donc. Ça devrait aller. Alors aujourd'hui, le labyrinthe, faut l'oublier, hein, parce qu'il est midi. J'aime pas trop y aller, j'ai pas envie que ça déborde sur le soir. J'ai eu de. Si vous vous souvenez, j'ai eu une mauvaise expérience. Ok, ça c'est bon. Alors le tailleur. Ah, mais il en prend que 3. Je sais qu'il en prenait 10, moi. Bon, Bob, il en prend que 3 aussi. Joe, t'as vraiment plus. T'as plus. Jetstone, ah bah Jetstone, tiens, tu m'échanges ça. J'en ai besoin. De l'électronique, je dis pas non. Il va falloir qu'on mette les Waterloo. Ça va faire une toute petite quantité d'eau au début, mais à terme, ça ira beaucoup mieux. Il me faut
6, 3, 9. Ouais, je suis plein. Ah, attends. Bon, je te pose. On va poser tout ça. On va repartir et on va revenir. Là, ça va, ça commence à avoir un manque de flotte, donc c'est pas bien grave. On va s'en occuper après. On n'en a pas pour long, hein. Récupérer des choses dans l'inventaire de l'ascenseur, ça nous prend pas 3 heures. Ok, il me restera 22 métal. Ah ça c'est les autres foreuses font un peu de métal, donc elles en font moins, mais elles en font un peu. Et à la maison. Tiens le gourmet, tu m'achètes mon sel? Non, ça je te l'achète moi. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Le tailleur. Il m'achète rien de plus. Puis. Allez. Ouais, j'ai assez de bombins, donc du coup le sel me servait pas à grand chose. Par contre, un truc que j'aurais pu faire, c'est acheter de l'eau. Je trouve qu'on est pas un peu malheureux en eau. Le pain en ce moment, c'est chiant. Il va falloir qu'on remplisse d'eau un peu tout, parce que j'ai envie que tout meure, quoi. Allez, on va chercher de l'eau. On va tout remplir. Ah, on a dit 9, je crois. Voilà. J'espère que ça va me rembourser ce que j'ai investi en graines. Ça serait sympa. Même si j'y crois pas trop. Oups, c'est pas... Ah si, ça me rembourse, c'est cool. On va éviter de faire des boulettes. J'ai plus confiance à la plantation rapide en fait. Avec la fois où on a rempli avec des fleurs. Allez, on va aller chercher de l'eau. Et si t'es pas content, très peur, c'est pas grave. Ça va aller mieux bientôt, t'inquiète pas. Alors ça... Voilà. Moi je suis trop lourd. Moi tu fais chier. Cinq, il me faut 5. J'en ai un. Oh, je suis trop lourd. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir au moins mettre les deux ici. Oui, les poulettes, je vais m'occuper de vous après. J'ai de quoi vous faire manger, donc on va s'occuper de vous. Ça. Info 3, voilà. Donc là où ça pousse. Allez hop, les poulettes, elles ont faim. Les chèvres vont être tondues. Les hamsters, comment ils vont les hamsters? Encore un peu à manger. Encore beaucoup à manger.
Bénéfice et joue-t-on. Ah ouais, ça te fait du bien. Hein. T'en tombes tellement, tellement t'étais content d'être tondu. Hein. Ok, bon, ça va descendre à une vitesse faramineuse, mais pas grave. Alors ici, j'ai du vert, très bien. S'il n'y a rien, j'ai 66 de vert, mais ben. Et on va démonter ça. Il faudrait qu'on fasse la machine à café. Ça serait pas mal. Aussi qu'on réorganise un peu ça, mais c'est pas demain la veille. Pour le moment, malheureusement. Qu'est-ce que t'as, Xeno? T'es où? Ah, t'as plus à manger. Je te ramène ça. Il fait nuit, est-ce que je vais pêcher? Est-ce que je vais aller pêcher? Je veux bien, mais est-ce que j'y vais? Toute la question est là. Alors, ça, on peut poser. Ça aussi. On va pas séparer. Voiture, je garde. Journal, poser là. Je sais pas si. Je sais plus où est Nancy. Nancy, elle les rachète. Si. Le Waterloo, le truc c'est qu'en fait il consomme de l'électricité et j'ai pas assez pour le moment. Faudrait que je vois. On a 6. Qu'est-ce qu'il me faut pour un Waterloo? Je crois que c'est 6. Hein. Pas de bêtises, mais ça serait bien de mettre en premier un générateur en fait. Parce que, ouais. Waterloo c'est bien, mais. Non, c'est 4. Et l'arroseur, c'est 8. Ah oui, c'est l'arroseur peut-être que je voulais. Ah mais non, il faut. Tu vois, l'arroseur va consommer de l'électricité, donc il faut. Il faut que j'augmente. Premier truc à faire, c'est augmenter la génération d'électricité, quoi. On verra ça plus tard, mais. Hop, je vais aller. Pas du tout. Enfin, on verra ça plus tard, oui, mais je vais aller avant manger un petit truc. Voilà. Voilà. Parfait. Et on va aller récupérer nos pièges. Je sais pas si j'ai. Si, si, c'est bon, j'ai des appâts. Regardez, je savais pas si j'en avais. Mes amis, niveau 3 et niveau 4. Hein. Station rapide. Voilà. C'est vrai qu'on a des super appâts aussi. Oui, je regarderai, tiens, ce que me dit le tableau de la pêche. Il voit. Et faut qu'aussi on fasse assez. D'électronique parce qu'il faut qu'on avance quand même sur le téléphérique. Le truc c'est que voilà, il n'y a pas de vendeur attitré en électronique et c'est chiant. Il y a Joe, mais Joe il en récupère un par un quoi. Alors il le vend un par un. Franchement, c'est pas petit. C'est pas cool. Joe vend le plus souvent, je sais pas moi. Bon, le 10 par 10, moi je l'achète un 10 par 10. Hein. Allez, on va aller pêcher. Et dommage, j'aurais dû cliquer avant. Voilà. On s'en fout. Hop, ça sert à l'univers. C'est bien. Je sais pas pourquoi je double-clique puisque j'en ai pas besoin. Bon, c'est pas grave. Allez, je prends tout. C'est vrai que si je prends tout avant de me faire tout prendre, ça sert à rien. Toi, tu rachètes quoi? Non, ça c'est le gourmet. 82 de var.
Pourquoi elle leur achète 66? Bah. On sait pas qu'on est en manque de pognon, mais. Bien aussi. Ouais, faisons des bénéfices quand même. Alors, du coup, pêche. Il veut un verron émeraude, je crois. Chaude. Verron émeraude. Ah, pas très bon. Bonne canne à pêche. Moment préféré le matin. D'accord, faut qu'on vienne le matin. Et préféré lac du labyrinthe. Ah, il y a un lac dans le labyrinthe? C'est plus vieux. D'accord, canne à pêche expert, canne à pêche expert. Bonne canne à pêche. D'accord, après c'est canne à pêche expert, ok. Et le bar rayé, on pourrait l'avoir hein, si on était de, si on avait la canne à pêche expert et qu'on était de nuit avec des accidents à pas. Bon, très bon. Ok, faut qu'on revienne demain matin. D'accord. Eh ben revenons demain matin, hein. Qu'est-ce que je te dis, se prépare. Voilà. On va pêcher, on va pas s'obliger à pêcher. Vers le champ de blé. Non. Vers la maison. Et on va faire notre générateur supplémentaire du coup, tant qu'on est là. Ah, je suis sûr que j'avais réservé ça pour quelque chose d'autre. Je me rappelle plus. Mais non, il me faut un générateur supplémentaire. Au moins pour le jour où on n'aura plus d'électricité. Tu vas y aller après, tu vas aller te reposer, mais avant tu vas poser le générateur. Ouais, et c'est que des bonnes nouvelles, c'est du pognon. Ah, si je pouvais recevoir du courrier comme ça, je serais heureux. Allez, on pose ici, ça devrait le faire. Voilà, ça a réduit un peu. Et là, c'est surtout là en fait. Voilà, ça a réduit. Il est 2h19. Est-ce que. Mais ça me prendrait de temps. Faire du guarana. Ah non, c'est trop long. Allez, redescends, prépare. Ou non, tiens, on va le stocker là-haut, t'as raison. On fera demain matin. Voilà. Allez, au dodo. Demain, si je fais ça, oh, je ferai ça plus tard. On va prendre du guarana avec nous. Et puis on verra ce qui s'y en est. Donc aujourd'hui, rien de particulier. Parfait. On peut s'atteler au labyrinthe si on veut. Juste manger, prendre des conserves, poser le fameux Waterloo là dans un placard. Ça c'est prêt. Et vous, je sais pas si vous restez encore assez à manger. Bon, on va prendre les deux bols, les deux trucs de soupe. On va prendre tous les guaranas. Voilà. Ah mais c'est pas vrai. Je me trompe à chaque fois. Hein. Ah, c'est ça de changer de jeu à chaque fois, on se trompe après. On a les touches à cliquer. Hop là, voilà. Je vais juste voir avant. Jenny, est-ce que tu rachètes tomates et pommes? Ok. Et ben les tomates, on en a là. Et les pommes, je crois qu'elles sont faites. Alors, tomates. Et maintenant on a deux pommiers, donc 10 pommes. Pour ça que je voulais deux pommiers. Ok, et on va récolter ça aussi. J'ai besoin de... D'accord, ah c'est pas prêt, ok. C'est pas prêt? Ah si. Bien sûr, là tu me rembourses pas tout.
Allez, plantation rapide, plantation rapide. Bon, on a que ça, je vais vérifier quand même. Mais... Ça va, on en a plein mal des graines de blé. Et on a du miel, youhou! On va pouvoir le donner à notre petit hamster. Alors je sais pas pourquoi ils avaient l'icône de faim, peut-être que j'ai tardé à leur donner à manger, je sais pas. Il y a quelques épisodes de cela, mais bon. Parce qu'ils mangent hein, le miel. Hein. Ce qui disparaît. Donc s'il disparaît, c'est qu'il mange. Hein. Ok. Niveau nourriture, ça va bien pour vous. Niveau nourriture pour vous. Ça va bien. Oh, j'ai 20 pommes. Ah mais j'en avais déjà dit, c'est pas des pommes, c'est des pommes que j'ai pris pas des tomates, mince. Est-ce qu'il mange des pommes graines au choix, tournesol, nourriture sans viande, ouais. Bah écoutez. Oh non, elles sont encore bonnes les pommes, allez. Et alors, on va laisser par en deux, mais. Par contre, si, on va laisser par en deux quand même. Voilà. Boîte de soupe, va falloir les bouffer. Il est 8h. Faut qu'on aille pêcher. Je vais être en retard. Voilà. On va aller voir Jenny. Dans toutes mes bouses. On va aller voir Will aussi. On va lui vendre le lait. Voilà. Will, hop. Voilà. Et allez. Au labyrinthe. Alors, on a dit, avant le labyrinthe, je voulais faire le lac. Est-ce que c'est le matin? Viron émeraude, ah, pas très bon, ok. Faut que je mette ces appâts là. J'équipe ma canne à pêche. Et c'est parti. Allez, espérons qu'on tombe sur un viron émeraude de suite. Ça serait cool. Il y en a un petit qui arrive là. Allez, un viron émeraude. Ah, c'est un viron. Véron, ça me plaît pas, je veux un émeraude. Allez, t'es émeraude toi. Ici, je te jure t'es émeraude. Ouais, je pense que c'est trop facile pour être un véron émeraude. Mais c'est trop tôt. Ah, yes. Véron émeraude, youhou. Alors, hop. J'ai pas fait, bien sûr, ce qu'il fallait. Henri. Échanger. Alors, je te vends ce véron. Voilà. Et parler. Je vois que tu aimes vraiment la pêche. Qu'est-ce que tu as là? Oh, vous avez demandé ce poisson. Un verron émeraude, hein, un appareil efficace ou un joli poisson d'aquarium. Ceux-ci sont pour toi. Tu me remercieras plus tard. Je l'ai construit. Il m'a filé un aquarium. On est 4 autres quêtes de pêche pour passer au niveau supérieur, d'accord. Henri, c'est ici pour l'instant, reviens plus tard. Oh, bah merci. Et par contre, il est pas passé le machin, ok. Ah, c'est bien, faut que je rentre à la maison.
Will, tu pourrais t'occuper de tes... des animaux quand même. Moi je bosse plus ici, hein, Will. Hein. J'ai ma propre ferme maintenant. Hein. Tiens, je te revends les œufs, le lait. Voilà. Il me dit, je sais pas si c'est judicieux de s'attaquer au labyrinthe. Oh, allez, si j'avais dit que je le ferais, donc je vais m'y attaquer. On a complètement oublié Joe. Jetstone, c'est pas la peine. Je sais pas si j'en ai assez de sang. Oh, je vois. Will. Rien de particulier. Jenny. Jenny, j'ai tout vendu. Il reste Bob. Oh, Will d'ailleurs. Non. Bob, du coup. Et la chasseuse. Tout va bien. Quand tout va bien, je suis content. Ok, ça je te pose, ça aussi. Voilà. Allez Bob, dépêche-toi. On avait quand même avant 13h voir le marchand. Voir le marchand, voir le labyrinthe. Tiens, voir le labyrinthe. Et ça. Ça va périmer là, mais tant pis. J'ai pas de quoi. Je peux pas me permettre d'avoir des trucs sur moi. Parce que sinon, ça pique. Le poids. C'est ouvert. Et bien sûr, j'ai pas racheté de balles. Tant pis. Alors, on va prendre le flingue. Est-ce que c'est que recharge? 4 recharges. Alors, on va voir. La sortie est là. On a deux trucs d'intérêt. Ici et là. Ok. Toi, si je vais à toi, je peux aller. Ah, ça m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais bien y aller quand même. Il me faut prendre le chemin rouge pour ça. Ok, donc celui-là. On va faire celui-là en premier. Et ensuite, il faudra qu'on prenne le vert. Il m'amènera à celui-là. Ok. Après le rose qui m'amène à celui-là. Et toi, c'est du jaune. Donc, ouais, ok. Donc, ici. Ensuite, on revient sur nos pas. Ici. Ensuite. Celui de droite. Et après, celui d'en haut à la droite aussi. Ok. Eh ben c'est parti. C'est que j'avais oublié, on a les bombes aussi. Voilà. Ouais, on peut faire avec les bombes aussi, c'est bien, non? Ouais, on prend tout. On prend même la boîte, ça fait du bois. Les boîtes, je m'en débarrasserai hein, si j'en ai trop. Alors, du coup, on a dit qu'on revenait sur nos pas. Ça, non? Oui. Oui, on revient sur nos pas, oui. Et pas cela. Et les myrtilles. Manger les myrtilles. Mince. Manger, pas tout manger, c'est bon. Celui-là, alors, suppression de bloc, level. Ok, comment on fait? Ouais, comme ça.
Bon, c'est chier, ça me bouffe, ça m'a bouffé une des munes, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, si on avait dit en bas à droite. Quoi qu'on pense à racheter des munes à Joe. Ici on s'en fout. Il y a rien de particulier, j'ai l'impression, non? Donc, ici, allez. Bon, l'épisode sera un peu long. Et on prend tout. Bien sûr, on prend tout. Ouais. Allez. Continuons. J'espère que la nuit va pas tomber. Étudions. Étudions. Oula, plein de chemin. Celui-là, il vient là. Il part ici, ok. Donc pas celui en haut à gauche. Et il m'amène ici, d'accord. Alors moi ce que je veux c'est ça. Ça va nulle part. Ça vient ici, ok. Donc lui, il faut que je passe par là. Il y a un chemin là. J'ai l'impression. Hein. C'est bien, il y a que lui qui peut être raccordé, donc il faut que je passe par là, hop. Et c'est pas raccordé ici, donc c'est bon. Ok, on peut le faire rapidement. En bas à droite, et après, on se revient au-dessus des chemins. Ok. On a dit en bas à droite. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on veut du guarana? On pourrait manger ça, on pourrait manger un peu de guarana. Voilà, et après on suit les chemins, il n'y a rien là, à part du Prepper. Le Dr. Prepper. Voilà. Oups, j'en ai un C2, tant pis. Ouh, des trucs séchés, des citrouilles. 66 de poids, c'est bien. Hop, normalement on doit arriver à la sortie. Après que j'oublie de que j'ai mes ouais. Hop là, parfait. Je pense que ça va bientôt être la nuit là. Il y a 1 sur 3, 2 sur 3 je crois, 3 sur 3. On peut le faire. Dernière recharge. Après j'ai plus de... J'ai plus. Oui ça doit être le dernier celui-là. Alors, on arrive ici. Déjà on n'a qu'un seul chemin, donc on va aller là. Ensuite, on n'a qu'un seul chemin aussi. Que je vais prendre le problème à l'envers. Hop. On est là. On est ici. On est ici. On est là. Là. Ok, bah en fait on va passer par toutes les salles sauf celle-là, puisque celle-là elle est reliée au vert. Enfin ça là, toutes les zones. Celle-là elle est reliée au vert. Donc faudra... dès qu'on arrive ici, il faudra que je regarde le plan. Là je peux aller assez vite. Un peu jusqu'à ce qu'on arrive ici. Où on a un truc à trois chemins. Il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc il y a bien un truc à trois chemins, il faut qu'on fasse attention. Dès qu'on y sera.
Et une belle zone. Hein. Et après c'est par là. Ouh, un petit canapé, un petit tapis. Moi je prends tout ça. Ah, dommage qu'on puisse pas récupérer la télé. Sûr que ça pourrait faire pas mal d'électronique. Ah ouais, moi j'ai un peu d'électronique. Du coup, on en est où? On est là-haut, donc il n'y a qu'un seul chemin. C'est le prochain, d'accord. Non, c'est celui d'après. Je me suis trompé, c'est celui d'après, pas le prochain. Ok. C'est par là. Alors, une fois qu'on aura fini celui-là, comme ça on débloquera le... Je crois qu'on débloque le 4 à partir de là. Et... Tant que je peux, je prends. Après, je poserai, hein, c'est pas grave, hein, je détruirai. Si j'ai en trop, je détruis. Ah, si, il me reste une recharge. Là, j'en ai plus pour entrer. Allez, prépare, dépêche-toi. Je crois que si je me plante pas, c'est qu'un seul chemin, oui. C'est vers en bas. Ok. Ouf, il va faire une heure cet épisode, ça continue. Il faut... Ok. Tac, hop là, voilà. Toi, toi... Il faut te garder comme ça. Voilà. Ah, c'est marrant, hein. C'est marrant ces petits jeux. Bon, ça me fait bouffer des... Ah, et puis... Il s'est un peu bouillé des mules, mais ça va. Il me rembourse. C'est bien. Trop lourd, ok. Qu'est-ce qui me pèse 10 kilos pour un placard? Ça me fait 8-1. Allez, on jette ça. Super appât. On équipe. Donc c'est ici, je crois qu'on est à la croisée des chemins. C'est ça, c'est la croisée des chemins. Du coup, il faut qu'on aille en haut. On va arriver à cette salle, puis on va aller à cette salle, puis on en ira à la sortie. Donc on aille en haut. On va aller. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, j'apprends pas la caisse, hein, ça sert à rien. Ah, moi, cette salle est traversante, oui. La prochaine aussi. Et la dernière, par contre, ça va être un petit combat. C'est bon. Youhou. Ouais, un bar énergétique, ça va pas. Donc toi, tu t'en vas. En plus, t'es pas démontable, si? Non, t'es pas démontable. Hop, voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, plus rien, plus rien. Bon ben voilà. Finish. Ouais, en plus on a fini. Youpi, on débloque le niveau 5. Parfait, parfait, parfait. Alors mon petit Joe. Des petits soucis de munitions en ce moment, donc tu vas m'en vendre et tu m'en revendras un peu plus. Hein. Ça, je les achète maintenant, comme ça demain je peux t'en racheter. Ouais, il est rechargé. Il ne peut pas recharger plus, dommage.
Alors. Ah, ça a démonté. Les graines de maïs, ouais. Tapis. Démonté aussi. J'ai deux tapis à défaire. Et deux canapés aussi. On pourrait se faire un petit canapé là, hein, ce serait sympa. Place nulle part. Ce monde de fou. Sais pas si je peux passer derrière pour rentrer. Ça, je vais voir si je peux le revendre. Ça aussi. Ça, on fera du tri demain. On a pas mal d'appâts. Pas mal de bouffe. Ça, je le mange parce que c'est pourri. D'accord, tu veux pas le manger. Tant pis. On va reposer des trucs. Donc, ça. On va là-haut. Je suis aussi. Leur énergétique aussi. Ah, vous avez besoin de flotte. Bah, vous attendez, vous attendez. J'ai mis des choses là-dedans. Voilà. Allez voir les poules. Bon, c'est cool, il pleut. Ouais, elles ont des petits cœurs quand elles dorment. C'est mignon. Eh ben, vous savez quoi, les hamsters? Vous avez le droit un petit peu. J'ai assez. Pour tout le monde. Donc vous avez le droit à de la bouffe. Hein? Ça va être sympa quand même. Voilà, très bien. Allez. Je pourrais récupérer ça. Alors, de l'eau. Il m'en faut 9. Parfait. Ouais, je refile avant que ça me dise qu'il y a besoin d'eau. Hein. Ça va plus vite. Mais là, il me le disait, mais je veux dire. Alors, hop, les trois là. Ça, faudrait que je récupère. Je sais, je sais. Peut-être fait 1 heure. Hop, séparé. Voilà. Je devrais me dépêcher, mais bon. Alors, le guarana, ça. Le guarana. Les oranges, on peut les poser. On a 10 pommes, on a 14 tomates. Je vais faire ce que je vais séparer. Pour en avoir 10. Et on va les filer à nos copains, les petits hamsters. Et on va aller dormir. Mais on va récupérer le courrier, mais. Avec ma méthode habituelle, vous la savez maintenant, la méthode. Et toi? Ok. Méthode habituelle, on lui dit d'aller dormir. Hop, ça coince le temps. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une échelle, donc du coup, il est pas obligé de faire le trajet. Et maintenant, je lui dis d'aller à la boîte aux lettres. Merci, Prépère, c'est gentil. Alors, hop, Bob, peut-être le tailleur. Non, le tailleur, ensuite, tu veux de la laine, tiens. Prends de la laine. D'accord, le tailleur, il prend quoi maintenant? Ouh, il prend plus de trucs. Ah, mince, il prenait les rubis. Tant pis. Ça a vendu, mais ça a vendu.
Hop, c'est vrai que quand il est fatigué, c'est chiant parce qu'il voit pas grand chose. Bob, l'améthyste. Bon, pas l'améthyste, si, tu me la prends l'améthyste, voilà. D'ailleurs, tu me prends pas les plumes, tant pis. Puis pour toi, voilà. Alors, dormir. Et sauf qu'on va aller là. Et oui, le jeu, tu sais que je fais ça. Allez, si on va dormir, et là, on va se laisser là pour cet épisode. Ouais, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.